Il y a eu un barbecue qui a mal tourné là. Ça passe, ça passe, ça passe. Faites pas de bruit les viewers, bordel. Vous allez me faire gauler. Non, j'ai toujours pas de monnaie, vous me gonflez les gars. Coucou, je te vois. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Ouh. Non, 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 ce n'est pas le jardin d'Éden. Non, 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 ni une chanson de Stone et Chardin. Bienvenue dans ce nouveau stream, The Big Gamowski, au sujet de The Medium. Pourquoi je chante en début de stream alors qu'on fait du paranormal? Vous voulez pas trop le savoir. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu les précédents épisodes, mais... On a démarré sur un appel téléphonique. On est allé à un endroit qui est assez peu probable. Oui, c'est ce fameux immeuble de loisirs d'Europe de l'Est, et dans lequel on a découvert qu'une légende urbaine disant qu'il y avait eu un massacre. Elle n'était pas tout à fait une légende urbaine, non, loin de là. Mieux que ça, il y avait des conflits internes dans ce bâtiment pour estimer de son devenir. Et au milieu des gens concernés, il y en avait un qui était un peu bizarre. Genre, on commence à se demander s'il aimait pas un peu trop les enfants. C'est glauque. C'est super glauque. Alors, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose. Mais la façon dont c'est présenté, beaucoup de gens comprennent comme moi. Et je suis un bon repère pour être dans la norme normale. Malgré les apparences. Coucou, coucou. Donc là, on a basculé dans un endroit que je ne pourrais pas nommer de toute manière. Où on va essayer comment exprimer ça? D'apprendre la rédemption à ce malotru qui fait du mal aux enfants, apparemment. Je suis déjà passé là, il me semble. Ah. Voilà, libérer Richard de ses démons. Et c'est pas gagné. Parce que je suis toujours dans le labyrinthe. J'ai eu un labyrinthe pour venir jusqu'à l'endroit où j'ai abouti. Et là, j'en repars et je reprends ce labyrinthe. Et je trouve ça étrange que ce soit tellement calme. Sans menace, sans... Hello? Si je sais où je vais. Richard, come out. Vous voulez pas trop le savoir. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Non, j'ai l'impression que le jeu me balade où il veut, lui. Et du coup, le feeling qu'on a, c'est que c'est très linéaire, parce qu'on fait un peu n'importe quoi des fois. Et on s'égare très très rarement. Richard ! Et je vous garantis que j'ai un peu de sang blond dans mes veines, parce que je... Quand on change une caméra d'angle, j'ai du mal à m'orienter après. Et je me casse. Something happened. You can tell me.
Get the hell away from me! Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Bon, je suis pas enfermé ici, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que je sais pas trop ce qu'il faut faire du coup. Une porte qui recule encore. Oula. But why? What do they want? It's okay. I told them to come. Sarah Connor. Non, c'est la porte à côté. The hell is this? No, stay away from me. Stay back. Get away from me, you bastards! No, no! Let go of me! No, please don't! Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. Ça mélange décidément beaucoup de choses. Il faudrait que je trouve de quoi me recharger pour me faire un passage. Oui, je suis vide. De quoi se recharger pour se trouver un passage? On va trouver ça. Commits an unforgivable crime against the motherland. Oui, ça mélange vraiment beaucoup de choses. Oh, swiftly punish. Couldn't have happened to a nicer guy. This is getting tedious. Rose! Where are you? Ça doit être à droite vu qu'il y a un tentacule. Je t'avais senti venir toi aussi. Ah, j'ai plus d'énergie, ça c'est bad. Wake up.
En but du jeu maintenant, plus tomber sur des tentacules, c'est très très mal. C'est une super mauvaise idée. Ça passe pas là? Ah, dommage. C'est un cul-de-sac. Double dommage. Là on peut même plus parler. Ah si, c'est bon, ça s'est rechargé. Ouf. En fait, je peux pas faire durer cette sphère pendant l'éternité, voilà. Il est là le topo. Bon, ben on y retourne. Je vais là. Est-ce une bonne idée? You took her from me. Ah, les dessins d'enfants. J'en ai déjà parlé, je vais pas être méchant. Pas aujourd'hui. Ok, c'est un cul-de-sac. Donc je suis en train de tourner en rond, j'ai la vague impression, parce que ce tentacule ressemble étrangement au premier tentacule que j'ai croisé. Avec le même angle de vue. J'y vais. Ah, je suis pas passé à gauche là. Oui, c'était le casse-croûte qui a été mangé. C'est supposé être un indice pour que je me repère, mais croyez-moi, c'est mal barré avec moi. Alors, le truc qui commence à m'inquiéter avec ce jeu, c'est qu'il est plus malaisant que effrayant. Du coup, c'est pas sur quoi se présenter quoi. Mais moi je trouve qu'il y a une ambiance malaisante, oui. Mais depuis le début du jeu, j'ai même pas fait un scare jump, il me semble. Enfin, ça m'aurait marqué, je m'en serais rappelé, je crois. Le contre, ça les détruit, hein. Ça c'est une bonne nouvelle. On va enfin le soigner. J'accours mon gros, j'accours. Ah, petite foulée toujours. Si mes chaussures elles sont trop petites. Puis avec la pluie ça rétrécit encore. J'ai mal aux pieds. Ça a été un peu expédié ou c'est moi? Non, ça doit être moi. Alors, je suis au taquet, je peux contrer, je peux... éventuellement trouver une décharge. Comment ça va se passer? Jeu de cache-cache, jeu d'esquive... Vous le saurez tout de suite après ce message commercial d'une haute importance. Let's get this over with. Oh, t'excites pas, gros. Mais t'essayes de faire peur à qui, là? Attends, explique-moi. C'est toi qui as peur, en fait. Je viens en ami. Regarde.
here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? That's what he is. Hunting. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. Him. Richard. I am what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jerry? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. You ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman.
Be gone. Richard. This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Whatever it is, I can feel it out there, like it's calling out to me. There, in the woods. Alors, si je reste mitigé sur ce jeu, oui, totalement, parce que il a des très belles choses. Et il les montre, essentiellement. Par contre, sur le gameplay, par exemple, ces longs passages de narration ne sont pas inintéressants, puisque l'histoire est hyper alambiquée. Par contre, le fait que le joueur participe pas davantage de manière interactive à ces passages-là, c'est dommage. Et quand c'est fait assez mochement, je dois dire. C'est pas super intéressant. Et j'ai l'impression que les développeurs, qui sont peut-être pas forcément super expérimentés dans le domaine, ont pas osé en fait. Ils ont pas osé faire des trucs genre. On se demande si ils ont pas créé leurs énigmes en faisant sans arrêt, en ayant à l'esprit les casuels, qui c'est pas une maladie, c'est pas un défaut, hein. On est tous casuels de quelque chose. Mais voilà, ils ont pensé leur jeu pour qu'il soit. On puisse pas se paumer dedans en fait. Et même un labyrinthe, en fait, si on regarde bien, jamais je me suis trop égaré dans leur pseudo-labyrinthe, quoi. Salut Piaf, j'ai faim. Il a compris que j'allais le bouffer. Alors ça c'est ce qui donne un petit côté dommage à ce titre, et qui fait qu'il échoue à chaque moment où il pourrait être formidable. Enfin, à chaque moment. Il échoue très souvent, sur de nombreux moments où il pourrait être formidable. C'est, je sais pas, c'est un appel à peut-être faire un deuxième volume, puisque l'héroïne est bien trouvée. Leur façon d'alambiquer les choses est pas mauvaise. Peut-être parler autre chose, hein, que des vieux qui aiment bien les enfants et des trucs comme ça serait bien aussi. Mais voilà, c'est. Moi, je suis pas satisfait de ce jeu, globalement. Même si je le trouve très joli, très bien foutu, avec une mise en scène qui poutre. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est dû au désir de l'équipe de développement, ou si ça a été imposé pour des raisons d'édition, quand on sait qui a mis des billes dedans derrière. Un bill. Une giboline. On peut pas zoomer? Non, parce que je vois ça là-bas. Elle est où la giboline? Non, je ferai pas le cri.
Vous êtes content? Ah, bande de fous, tout ce que je fais pas pour vous. J'avions pas trop pigé à quoi servait cette lunette, à part faire voir. Oh, regarde comme c'est beau! Regarde comme c'est contemplatif par chez nous, la campagne. Il y a encore la giboline, elle va passer là, parce que j'ai chargé le fusil là. Oui, vous retrouverez bientôt Dédé Michel dans un stream, promis. Mais pas dans celui-là, pitié. Un truc à lire. Oui, c'est fantastique. Mais je suis super chagriné de ne pas être plus emballé par ce jeu. J'ai pas eu de frayeur, sérieusement, depuis le début. Scare Jump. Scare Jump, vous pouvez faire jouer des mecs cardiaques sans problème, je crois. Challenge. Pff. Sorti des quelques fois dans les scènes d'action où j'ai fait des conneries, je me suis planté parce que je me suis planté, voilà. Il y avait rien d'extraordinaire, il y a rien qui m'a foutu les pulsations et caleçons, quoi. Something from my early childhood, Oui, j'ai maybe? simulé tout le long. Was it even a place? Or something else entirely? Alors, on va où? Silent Hill ou Raccoon City? J'étais obligé de la faire celle-là, je suis même pas désolé. Red Trixib, Landscape Trail. Moi j'aimerais bien Landscape, mais j'aime bien les. Regarde-moi Star, on dirait du Tim Burton. On va se le faire. Hein. Ouais, puis sous les arbres, on enterre pas mal de trucs généralement. Le piaf, t'en penses quoi? Il s'en fout le piaf. Donc oui, The Medium, c'est un chouette jeu. Est-ce qu'il y a de quoi en faire tout un battage comme Cyberpunk, on va dire, allez. Juste pour énerver. Quand ça clignote, c'est que je vais avoir des soucis, moi. C'est vraiment que je vais avoir des soucis, quoi. On va retourner un peu en mode jeu là. Parce que c'est chelou. C'est très chochol. C'est très loulou. Et j'insiste. Et là je clignote plus. Si, oui, non, merde, je clignote plus. Il y a un truc avec cet arbre. Mais il y a peut-être un ordre et du coup je dois pas le faire en premier. C'est très old school ça aussi. C'est. Moi je vois une tête de mort là, hein. Je sais pas si vous voyez à côté à droite. Avec ces trous là. J'ai beau utiliser mon aura, pot de balle. Bon, c'est pas là, on va continuer notre chemin. Et je vais continuer ma critique. Parce que oui, j'ai pris quand même le temps, on en est à combien d'heures de jeu là? 3 heures. Mais voilà, j'ai pas eu de Scar Jump. L'histoire, c'est le seul truc que je détricote en même temps que vous parce que je comprends rien à la base. Et mes traductions approximatives doivent pas trop m'aider. Oui, on peut le dire honnêtement. Mon anglais est fluently, mais il a ses limites. Je vais vérifier s'il n'y avait pas un truc sur le chemin là. On revient à l'embranchement. Of course. Et si y avait un truc. J'ai déjà fait. Pourquoi ça part ici cette fois? Et dans une autre. Ah. Il me prendrait pas un peu pour un jambon ce truc? Voilà notre croisement. Bon, l'arbre, on y reviendra parce que j'ai pas compris. Il y a rien de plus qui se déclenche. Il a une espèce d'aura et on n'en saura pas plus pour l'instant. Mais voilà, c'est plein de. Pour venir en mode critique, c'est plein de qualités qui sont pas exploitées à fond. Faute d'oser poser un gameplay qui parfois surprend. Ou pousse un petit peu le vice, quoi. C'est le piaf. Hein.
Ces angles de caméra déterminés d'avance, ils facilitent peut-être la mise en scène, ils facilitent certainement le gameplay pour la conception, mais à jouer vraiment c'est pas top. Je le dis honnêtement, j'ai rien contre les Resident Evil, mais si j'en ai jamais pratiqué un jusqu'au bout, sorti du set en VR, qui m'a vraiment foutu les foies d'ailleurs, j'ai beaucoup transpiré sous ce casque. Et c'est pas pour rien, c'est ces histoires de plans prédéterminés qui sont très très souvent chiants. Et puis j'ai le seul souvenir de toute manière dans les Resident Evil des premiers volumes où on pouvait même pas tirer en avançant. Et vous êtes là, au bout d'une demi-heure, vous prenez la manette, vous la jetez quoi. Je pense que tous les gens qui ont basculé ensuite sur Silent Hill me comprennent. C'est rigolo. Je peux pas passer là. Mais c'est pas un open world, on m'aurait menti. Et alors, la linéarité, ouais, est un peu pénible. Alors, ils ont essayé un truc sympa dans le building. La partie du building était intéressante pour ça, parce que l'architecture était un peu tordue. En plus, avec le fait de basculer... Le fait de basculer entre deux univers arrange pas la sauce, vu que c'est pas forcément exactement architecturé pareil, puis vous mémorisez pas tout du premier coup, de toute manière. Donc voilà, c'est... Je suis triste avec un sourire, voilà. C'est assez plaisant ce que j'ai sous le nez, mais je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à plus d'émotions, plus de... On va basculer en mode vampire. Ça mélange beaucoup trop de choses, les amis. Il va falloir arrêter là, les gars. Alors, le scénar me fait un peu peur sur ça. C'est le scénar qui me fait peur, pas son contenu. Il veut mettre vraiment beaucoup de choses. Je m'attends à voir des zombies nazis bientôt. Sur des requins volants, bien sûr. Il tient une main, non? Une chaussure. Ça aurait été mieux une main. What you got there? Oh hey, wait. J'arrive. Oh, 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 oh. Tu veux te calmer, Fido? So, there I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Attends, toutou. What is it, boy? Shaving tools, towels, grease? Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Yummy. Eat up, champ. On y va. C'était... Oui, c'est toi qui es supposé être devant, mec. Enfin, chien. Hey. Alors ce passage, anyone il me rappelle vachement Projet Blair Witch. À part que c'était très raté dans Projet Blair Witch.
Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. Ah, je crois qu'on a retrouvé Kung Fu. Oh, je plaisante, je plaisante. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? He looks drained, rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. Easy, boy. Oh God. It's that thing again. No! Stay! Ransoms. Then I outgrew. Alors je me suis tué pour la scène d'action.
pour pas vous partager mon ressenti et vous gâcher le spectaculaire visuel, parce que je vous garantis qu'à jouer, c'était... J'ai suivi un couloir, quoi, c'est... Vous l'entendez, l'enthousiasme de ma voix, quoi. Je suis déçu encore. Je suis encore déçu. Est-ce que je fais que râler? Non, je fais une critique très objective de ce jeu. Qui est vraiment riche visuellement, qui est vraiment riche niveau scénar. Mais qui a un sérieux problème sur son gameplay. Qui essaye de renouveler son genre au fil de qu'on avance dans le titre, mais... ne renouvelle jamais d'une manière qui nous surprend réellement. On a l'impression que c'est construit avec les bribes de tas d'autres programmes de jeux qui font flipper. Et par-dessus tout, en plus, ça s'interdit de vraiment faire peur, quoi. Il y a de la tension, il y a du suspense. Mais... on n'a pas le cœur qui se met à battre la chamade. Et c'est quand même super triste, parce que le... Regardez-moi cet environnement glauque. Il y a quoi, de quoi faire que le joueur a pas envie d'avancer rapidement, il fait juste des petits pas comme ça, quoi. Depuis le début du jeu, moi, je trace énormément. On va aller voir là-bas s'il n'y a pas une connerie, un bonus, je sais pas quoi. Bon, de toute façon, c'est bloqué. Oui, bref. Ils ont entendu quand je les ai bâchés sur le mur invisible tout à l'heure. Ou à la précédente session, au choix. Tombe pas, hein, c'est important. What? Who's there? Francis? Francis, c'est toi? Arrête de me parler, je me concentre, j'ai failli me casser la gueule. Ça, par exemple, c'est super pas intéressant, quoi. Pourtant, faut que je rééquilibre. C'est nul. C'est bon, là, fais un jump. Jack? Non, c'est Francis. Francis Juster? Je crois que je suis passé par le super mauvais côté, c'est ça? Non, c'est bon. Is that... Eh ben voilà. No. On a bouclé, ça y est. Et pourtant, cette attache, on l'a cherchée au début du jeu. Quand il fallait dire son dernier adieu au pater. Chelou, hein? Et donc oui, je trouve que ce sont des lieux et des ambiances qui sont réussies, mais qui sont pas exploitées comme il faut, c'est dommage. Je suis chagriné sur ça. Il y avait de quoi faire un jeu réellement flippant. Et on saura jamais si c'est la team qui a volontairement développé ce jeu pour qu'il ait tous ses angles gommés et toutes les choses qui auraient pu érafler le joueur soit limé, ou si c'est les gens qui ont mis des billes dedans, hein, je suis désolé, donc Microsoft si tu m'entends, entre autres, et qu'on dit ouais on veut un jeu, mais ouais vous faites pas trop ça quand même, puis vous faites pas trop ça non plus, et puis évitez de du sang pas trop quoi, des monstres ouais mais pas trop non plus à la limite. Pas à Lara Croft. Donc voilà. Ce médium, c'est bien. Si c'est génial, non, loin de là. Par contre, je sais pas combien de temps ça fait que je stream là. Salut. Where have you sent me? I helped you pass on. Dans sa lenteur, il a une bonne longueur. Dans sa linéarité aussi. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on la repère, la linéarité, quoi. Le jeu aurait duré une heure ou deux. Ça faisait illusion. Mais là, ça doit faire 3-4 heures, je suis dessus. Et... c'est Jack? Couloir, script, couloir. Et le jour où le jeu d'horreur arrivera à sortir un petit peu de ce vieux rail, couloir, script, couloir, on aura fait un grand pas en avant, quoi.
Les gars, rappelez-vous, il y a des fonctions rando, hein, ça existe. Puis pour la rejouabilité, c'est vachement bien. Donc voilà, j'ai enfin pu caser ma partie critique de ce jeu. Au bout de 3-4 heures. Et je pense qu'elle est à peu près honnête. Maintenant, je sais pas combien de temps de jeu il reste. Est-ce que je vais encore découvrir dans le scénario? Et si tout ça se rassemble de manière intelligente à la fin, ça va être sympa. On court. Non mais on court, ça fait pas semblant. Putain, je vais où là les gars? Ouvre-moi ça. Oui, 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 avec ça. Ah oui, les gâchettes. Je me suis fait avoir. Mais on meurt d'une manière tellement idiote dans ce jeu que du coup on n'a pas peur, on se fend la gueule. Et c'est quand même dramatique pour un jeu supposé foutre la chair de poule. On y retourne. Je vais essayer de pas rigoler. Mais c'est trop dur, quoi. Donc voilà, oui. Ce jeu, c'est pas un rendez-vous raté, parce qu'il est largement au-dessus des jeux qu'on pourrait catégoriser nanar. Mais c'est... Je suis où, là? Il me remet où, ce con? Ok. Where have you sent me? I've helped you pass on. Et il me remet plus loin en avant, du coup. Ah non, c'est bon. Il me met super en arrière, en fait. C'est ça. Jack? It's too late, Maria. It's all over. Ah, il m'a mis super en arrière, le bougre. Faut pas que je me plante cette fois. Peut-être pouvoir me servir des mains, si c'est un labyrinthe, pour m'orienter un petit peu, aller savoir. Sur X, soit tendre, c'est... Sérieux? Donc je vais quand même vous décrire le passage que vous venez de voir. À partir du moment où c'était en mode poursuite, il a fallu que j'appuie sur une touche pour courir. Quand je suis arrivé devant l'obstacle sous lequel il fallait que je passe, il a fallu que j'appuie sur X, mais comme on n'est jamais sûr visuellement qu'elle a compris l'ordre, on rappuie sur X, donc ça se trouve ça l'a fait relever, allez savoir. Tellement c'est bien foutu. Une fois qu'on a passé le couloir... Ah, laisse-moi parler, toi, parce que je commence à m'énerver. Je vais te mettre une décharge d'énergie dans ta tête. Et une fois qu'on a passé ça, il faut, devant le grillage qu'on a trouvé sur la gauche, quand on est dans le corps de la femme... Ne voyez pas du mal de partout. Il faut que, quand on est devant ce grillage, on appuie sur X. Après, il faut qu'on sélectionne la zone où il y a le verrou. Et qu'on rappuie sur X. Et après, l'inventaire s'ouvre. Il faut qu'on sélectionne l'objet en appuyant sur X. Et une fois qu'on a pris l'objet, on peut pianoter avec les deux gâchettes pour essayer de cisailler la chaîne. Et ce timing, en fait, il est plus random et con qu'autre chose. C'est... on va pas le dire autrement, quoi. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, vous avez pas idée, quoi. De la peur? Non! Du skill? Non! De la peine!
in me. In me. In me. J'aurais peut-être eu un truc à faire avec ça. Sors, sors. Bon, il y avait un truc à faire avant. Ah, c'est ma faute. Ça là, ça. Bon, on a le temps maintenant, j'en profite. Je suis désolé, je reste sur mes critiques. Tout ce que j'ai dit auparavant, je reste sur cet avis, je n'en changerai pas. Ce jeu passe à côté d'énormément de choses. Les mecs ont cru bien faire en gardant le style très casu. Et ça gâche tout en fait. Puis alors le passage à le temps, il était court quand même. Sorti de cette manip à la noix qu'il fallait interpréter comme il faut. Allez, on va tomber sur quelque chose de chouette. Oui, toujours positif. Generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Locked down tight. I think there's a lever missing. Je peux tenter, mais c'est. Je crois pas qu'il va vouloir. Il est couillon ce jeu, mais pas ton. Attends, pourquoi je peux pas avoir le deuxième spot là? Bah oui, ça m'intéresse. On est quand même venu pour ça, les gars. Quoi? Ah bah oui, faut ouvrir et puis mettre de l'essence. Ok, donc faut que je trouve de l'essence, les amis. Ça me semble évident. Ça vous semble évident? On va chercher de l'essence. Parce qu'on est très méticuleux et on n'aimerait pas avoir à revenir là. C'est le Mont Royal, hein, toujours, je vous le rappelle. Pourquoi je monte tout de suite? Parce que je suis bête. Je retourne mettre mon essence tout de suite ou pas? Non, on doit manquer un truc, je pense. C'est fait pour. C'est fait pour qu'il manque quelque chose. Je crois que j'ai un nouvel ami. Ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Quelle tanche. Ça va
c'était pas un petit rat de l'opéra. Hein. Oh, encore une planche, chouette. On est pas déjà passé là, les gars. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ah, ah, te casse pas la gueule, s'il te plaît. Ça me rappelle un endroit sur ce... Tout se ressemble, c'est vrai. Elle est pas douée. Si, on est déjà passé là, les amis. Je me rappelle super bien. Bah, laisse-toi tomber. Bon, au moins j'aurais récupéré un tournevis, donc on n'aura pas perdu notre tour. Oui, on va faire dans l'ordre, ce sera mieux. Faut ouvrir d'abord. J'arrive, Coco, j'arrive. Tu sens que je suis affolé?
Un Locked, ça m'aurait fait rire. Beaucoup. Alors on va se faire une pause par là, les amis. Histoire de saucissonner ça en morceaux de 1 heure maximum. Je vous ai tout dit, hein, ce que je pensais du jeu. Maintenant, c'est un bon jeu d'angoisse et d'exploration. Mais il faut pas lui en demander trop. Voilà, tout simplement. Allez, les playlists magiques, le bouton d'abonnement maudit. Et à tout bientôt. Regardez la caméra. Voilà. Voilà. Au revoir.